Bonjour à toutes et à tous, c'est Aza, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter Turmoil. Alors Turmoil, c'est quoi? C'est un jeu de gestion où on va essayer de devenir le roi du pétrole. Et oui, c'est pas courant, mais en tout cas, franchement, ce jeu est très prenant. Je devais en faire une petite série, mais ce sera une petite présentation. J'ai déjà joué environ 2 heures de jeu et c'est vraiment génial. Franchement, c'est vraiment génial, c'est un jeu que je voulais vraiment vous faire découvrir. Alors, on commence la partie, nouvelle campagne, ok. Alors ici, on doit choisir notre personnage entre 4 personnages, voilà, Blanche, Daisy, Ricardo et Joshua. Moi, je vais prendre Joshua, mais sachez que les autres personnages seront vos adversaires. Et oui, c'est la course au pétrole, donc du coup, on a des adversaires, il faut faire plus d'argent, plus de forage, etc., etc. Vous allez voir, c'est vraiment très prenant et c'est vraiment sympa, voilà, tout simplement. Alors sachez que le jeu est sorti en juin 2015, j'ai reçu un code là, j'ai demandé un code, et à l'éditeur, il m'en a envoyé un pour que j'en fasse une petite vidéo ou une série. Et parce que ce jeu m'intriguait depuis un moment, j'avais déjà vu des vidéos sur internet, mais il fallait vraiment que je m'y mette dedans quoi. Et je trouve ça vraiment génial. Salut futur baron du pétrole, bienvenue à ma jolie ville en construction. L'industrie pétrolière sera en plein essor ici. Au travail! Cliquez sur le wagon et je vous montrerai les bases du forage pétrolier. Alors la ville est en construction, après vous verrez que ça va s'élargir au fur et à mesure, il y aura des bâtiments en plus, et c'est vraiment sympa. La course au pétrole deviendra vraiment de plus en plus dure avec les autres concurrents. La guerre est déclarée, c'est parti, on va sur notre premier terrain. On arrive sur un terrain vide. Bienvenue à votre première opération d'extraction de pétrole. Il vous suffit de suivre mes instructions et il coulera en rien de temps. C'est parti. Avant de pouvoir commencer le forage pour le pétrole, vous devez savoir où forer. Recruter un sourcier. On va recruter le sourcier. Pas le sorcier, mais le sourcier, pardon. Et on le met ici. Bon, là, il va trouver où mettre le forage exactement. Ça prend plus ou moins de temps, comme il nous le dit. Et il a trouvé. Et là, on prend la plateforme et on la met là. Voilà. Faites glisser vers le bas de ce point et relâchez à l'autre point pour vous connecter au pétrole. Voilà. Là, on prend ceci. On lâche. Moins 262$. Et là, ça fort. Voilà. On va arriver là où il y a du pétrole, vous allez voir. En fait, tout ceci est potentiellement du pétrole. Mais des fois, vous pouvez fourrer à côté, en travers ou quoi. Ça va pas directement dedans et ça peut vous pénaliser, vous allez voir. Vous avez trouvé du pétrole, mais où devez-vous l'amener? À Left Inc, bien entendu. Sélectionnez l'icône wagon à cheval. Alors, Left Inc, c'est là où vous déposez le pétrole et vous gagnez de l'argent. L'argent qui est là monte ou descend, il fluctue tout le temps, donc du coup faut faire gaffe, faut l'emmener au plus vite quand c'est au plus haut et faire attention, vous pouvez le stocker dans des citernes aussi, vous allez voir, afin de ne pas perdre trop d'argent. Voilà, là vous avez Left Inc, mais bientôt là vous aurez Right Inc, voilà ici, vous aurez deux sociétés qui vont se battre pour récolter votre pétrole, voilà, et ça fluctue au niveau du prix, ça c'est génial. Alors ici, je prends le wagon, on va le mettre ici. Le wagon, vous allez voir. Hop, ça remplit. On dirait que c'est le cheval qui boit le pétrole. Et là, une fois que c'est plein, il va l'amener à Left Inc. Voilà. Et c'est parti, tout simplement. Là, pour l'instant, on ne peut pas avancer le temps, mais vous pouvez aller accélérer le temps aussi pour aller plus vite. Moi, je l'ai jamais fait personnellement parce que je trouve ça assez rapide et c'est bien de prendre son temps. Voilà. Cette introduction se termine lorsque le montant des espèces est de nouveau à 1300. Bon, y bientôt. Je peux prendre le deuxième cheval aussi. Voilà, ça va plus vite. Voilà, là ils nous disent pas qu'il faut une citerne, mais on verra ça par la suite. Là ça monte. Voilà. C'est bon, là on arrive à 1300. Vous allez voir ce qui va se passer. On a fini le tuto. Bon travail, retournons en ville. C'est parti. Là ils nous font un résumé, il y a des graphiques, les gains, les dépenses et les captures d'écran. Voilà. Donc, là on est bien, on continue. Bravo, c'est le moment de vraiment travailler. Venez rencontrer vos rivaux à l'hôtel de ville et obtenez une parcelle de terrain pour votre prochaine aventure. Vous allez voir, on va aller à la mairie, qui est juste là. On va aller planisphère, jeter un coup d'œil à la carte. Entrez dans l'hôtel de ville. Voilà, alors tous les carrés que vous voyez là, c'est les terrains qu'on va pouvoir forer. Mais sachez qu'on va se battre avec les autres pour les terrains. Vous allez voir. Là, on voit un peu
la carte des autres personnages. Ok, on s'en fout. Je vous conseille de lire parce que ça en apprend un peu plus sur les persos. Mais là, pour la présentation, je ne vais pas le faire. Voilà. Laissez-moi vous attribuer votre propre morceau de terrain. Le premier est à nos frais. Ok. Là, c'est eux qui choisissent. Le premier, nous, on est là. Après, si vous prenez ce point-là, par exemple, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Si vous prenez ce point-là et que les autres, que notre personne se mette sur ce point-là, et ça renchérit au fur et à mesure, 1000$, 2000$, etc. Et celui qui met le plus d'argent à la fin a le terrain. Bien sûr, le but, c'est pas de surenchérir tout le temps et de perdre de l'argent. Et prenez un point, essayez de prendre un point qui n'est pas pris, voilà, tout simplement, soit au fond ou quoi. Mais ils peuvent quand même venir se placer parce qu'ils veulent cette parcelle-là. Voilà. C'est la vente aux enchères, tout simplement, hein, c'est comme ça. Bonne journée, pour célébrer l'ouverture de ma toute nouvelle banque, j'ai ouvert un compte pour chacun de vous. Vous pouvez également me rendre visite pour voir un rapport financier de votre dernière entreprise. On a tous 20 000. C'est pas mal. La banque, la mairie, et là on va les creuser. Allons extraire ce pétrole, nous prenons 2 000$ avec nous. C'est parti. On y va, c'est parti, on arrive sur le terrain. Bon, vous savez ce qu'il faut faire, recruter les sourciers pour trouver du pétrole et construire une plateforme de forage à cet endroit. Allez, c'est parti, on met le sourcier, mais le sourcier vite, voilà. Je peux en prendre plusieurs, mais on va commencer tranquillement avec un sourcier. Je vais déjà mettre un wagon, voilà, c'est fait. Allez, trouve. Allez, mon petit. Non, c'est un peu long. Allez. Bah alors, il va le mettre où? Ah, ici, cool. Voilà. Là, on prend le point et on va descendre jusqu'à là. J'espère que je suis pile poil dans le pétrole. Sinon, ça va pas le faire. Voilà. En tout cas, on est à côté de Left Inc. Pour l'instant, il n'y a que Left Inc. Donc, ça va aller vite. Oh, pas mal. Pas mal du tout. Là, vous mettez un autre point. Hop, vous baissez le point et vous le mettez là. Hop, et là, c'est reparti. Et voilà. Je suis allé un peu trop loin. Il faut faire gaffe. Ça coûte des sous en plus, mais bon. Il serait mal avisé de vendre au prix offert par Left Inc. Il vaut mieux d'abord stocker nos pétroles, sélectionner l'icône silo. Voilà. Là, je vais mettre le silo ici. Voilà. Left Inc, c'est vrai que le prix est assez bas là. Ça peut même descendre jusqu'à 0,20, 0,30. Faut faire gaffe. Le prix du pétrole fluctue toujours fortement. Surveillez-le attentivement. Si le prix du pétrole vous convient, utilisez cette flèche pour m'envoyer des wagons. Ils se rempliront et le pétrole sera converti en argent. En Left Inc, voilà. Si le prix du pétrole devient trop bas, utilisez cette flèche, voilà, en bas, pour arrêter la vente de pétrole. Vos wagons déchargeront de nouveau dans les silos. Voilà. Je vous montrerai, je prends un deuxième wagon. Les niveaux sont temporels. Ce niveau se termine le 31 mars. Voilà. Alors, on va prendre le wagon. Là, il y en a 0 qui vont à Left Inc. Je trouve que c'est pas assez cher. Donc, du coup, ils vont mettre dans le silo. Voilà. On est parti. Alors, vous allez voir, c'est en train de monter. 0,64. Hop. Alors, je vais même mettre le troisième. Voilà. Ça devrait le faire, je pense 3 ça devrait suffire. 1 normalement ça suffit au tout début, mais bon. Faut faire le maximum d'argent, donc on va y aller. Là ça monte, on va mettre 2 là et 1 ici, comme ça, c'est parti. Les deux prochains vont aller directement à Left Inc. On arrive à 1$, on va même mettre les 3. On y va. On regarde un peu l'argent qui monte. Voilà. Pour l'instant, on est bien. Lui va chercher le reste qu'il y a dans le silo. Ah, lui aussi. D'accord, ok. Il y en a encore un petit peu. C'est bon, ça monte. 1,05, ça redescend. Donc, on va mettre 2 qui retourne chez Left Inc. 1 qui va mettre dans le silo. 2 chez Left Inc, pardon. Je me suis trompé. Non, j'avais dit quoi? Je sais même plus. Voilà, je me suis perdu dans mes explications, mais c'est pas très grave. Je pense que vous avez compris, hein. Voilà. Ah, ça stagne à 0,95, donc ça va. On a 1437$. Ah, si c'est comme ça, c'est bien. Ah, ça redescend. Ah, c'est pas bon. Ah, ça redescend. On est à 0,93. Il faut faire gaffe. Ah, un qui va aller à Left Inc et les deux autres qui vont mettre dans le silo.
Vous allez voir, ça va fluctuer. Donc, on a le temps avant le 31 mars. On a le temps. De toute façon, je vous montrerai qu'un niveau. Après, vous allez voir un peu l'évolution quand vous irez jouer au jeu. Je vous le conseille fortement parce que c'est vraiment très fun pour l'instant. Là, c'est vraiment que le niveau, le premier niveau. Mais vous allez débloquer pas mal de choses par la suite. Et ça, c'est génial. Oula, là, on est à 0 là. Ouf, pas terrible. C'est descendu à une vitesse là. Regardez, 0,43 quoi. Allez, 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 allez. On va faire gaffe si ça remonte. Pour l'instant, ça stagne. Ça devrait remonter, je pense. Ouais, c'est bien. Ça remonte doucement. Le mois prochain. C'est le mois dernier, là. Voilà. Le dernier mois, ils auraient dû mettre. En traduction. Allez, ça remonte. Hop. C'est parti. Allez, on va mettre les 3. On va faire le maximum d'argent, là. Allez, il faut le faire, là. Que les autres jouent en ce moment les adversaires, donc du coup faut faire gaffe. Allez, allez, allez. 0,73, c'est bon, ça remonte aussi un petit peu plus. Là on est bien. C'est parfait ça. Allez, on arrive au 31 là, on y est presque, on y est presque. C'est vraiment du jeu très prenant, franchement. Et puis la musique, elle est cool, quoi. Ça fait un petit peu country américaine. C'est sympa. Franchement, c'est sympa. Country, blues, jazz, ça change un petit peu de style de musique. Voilà, ça monte. On est à 1,08, là. On arrive au 31 mars. Vite, vite, vite. À fond les ballons. Et là, ça veut dire que c'est la fin du niveau. Et on va voir un peu tous les points de forage qui apparaissent. Vous avez vu, il n'y en avait que 3. Alors, imaginez, vous fourrez là. Tout à travers, en fait. Le mec, il vous dit de fourrer là, mais vous allez jusqu'à là. Après vous allez jusqu'à là, et ben vous avez pas de pétrole, voilà. 2830$, c'est parfait. Et on est premier, 20830, 17925, 897, 18352. On a fait du jackpot, là ils ont perdu de l'argent, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont perdu de l'argent. Elle a gagné 300, et nous 2830$ de bénéfices, ça c'est parfait, de profit. Salut, mon nom est Fred Metal. Vous cherchez à rendre votre exploitation de pétrole plus efficace? Venez dans mon usine pour mettre à niveau votre équipement. Et oui, on peut mettre à niveau l'équipement, on peut mettre agrandir le silo, etc., etc. Et c'est génial au fur et à mesure. Voilà, un jeu que je vous conseille absolument. Je voulais vraiment vous le présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à jouer à Turmoil. Allez, ciao tout le monde.